Je vais vous présenter le projet de l'équipe 86 pour Renault et Oracle. Il s'agissait de faire une proposition de valeur concernant l'implémentation de maintenance conditionnelle et prédictive dans l'une plus grosses usines de Renault à Cléon. L'application que vous avez sous les yeux sera à disposition des techniciens pour contrôler rapidement et à distance l'état de santé du parc des machines. Une machine en bleu signifie en bonne santé, orange ou rouge étant respectivement alerte ou alarme. En cliquant sur la machine, un technicien peut avoir accès rapidement à des données en direct prélevées par les capteurs sur la machine comme une température ou une tension. Un deuxième écran est disponible avec cette fois le diagramme de la machine et toujours les mêmes données à gauche. Il y a aussi un icône graph qui permet au technicien de sélectionner une plage de temps que ce soit live, heure, jour ou mois ainsi que les données qu'il veut afficher pour voir leur évolution sur le temps. Il faut préciser ici que les capteurs et donc leurs données ainsi que les machines sont entièrement simulées grâce à la IoT plateforme d'Oracle. Grâce aux icônes sur la gauche, un technicien peut très rapidement avoir accès aux alertes. Qu'est-ce qu'une alerte une alerte est lorsqu'une certaine valeur dépasse une certaine consigne. Par exemple, lorsque la température dépasse la limite de 60 degrés. Cependant, vous voyez ici que ces alertes durent moins d'une minute. En effet, dès que la température revient à la normale, l'alerte est automatiquement supprimée par l'application. Toujours grâce aux icônes sur la gauche, un technicien peut avoir accès aux alarmes qui, cette fois, sont d'un niveau plus critique et requièrent l'interaction du technicien pour être supprimé. Ce dernier doit rentrer dans l'alerte pour la retirer ainsi qu'entrer une description de l'action faite. Le but est qu'à terme, grâce à la maintenance prédictive, il y a dans la case description la, sugg la suggestion de panne possible afin de réduire le temps de recherche par le technicien. Une fois son action effectuée, il sauvegarde et supprime l'alerte. Grâce aux outils Oracle, nous avons pu aussi simuler des événements, ce qui nous a permis de tester la viabilité de notre système ainsi que tester le système de pattern. C'est ce que vous avez sous les yeux, c'est lorsque l'on repère un schéma dans une courbe, dans une évolution de données prévenant d'une panne. C'était l'équipe 86. Merci de votre attention.